Hop, C'est bon. c'est parti, c'est parti. Alors on a les cyprités habituels. Ouais, Pas de classique. surprise. Au niveau des modes, on est sur un Sacrieur qui joue sur un mode haut, grosse esquive PA, pas de Procobure d'ailleurs, sur Sacrieur. Côté. D'ailleurs, pourquoi l'ébène est affichée avant la Pritech? Côté Shun, Lénir Ipsa, on est sur un mode feu haut à vue de nez. Ouais, ça ressemble au mode feu haut habituel. Non, mode full haut plutôt. Côté Sledax, on est sur un mode feu classique. 5 PM par contre sur Sedax. On compte probablement sur le don de PM de l'Inirupsa et l'Abyssal pour Kari. Pour le reste, on se retrouve avec Vulgar Feka de son état qui joue sur un mode terre. Purplex qui joue sur un mode feu. Marteau possédé. Effectivement, ils ont anticipé le coup. Gensaku qui joue sur un mode Dopu sur le Yop. On va voir un petit peu ce que ça donne. Mine de rien, je trouve ça assez intéressant. Par contre, on a de l'esquive PA côté Garou et côté Sledax. Sledax qui esquive directement 3 PA. Faut pas oublier un petit détail aussi qui est souvent mis de côté hein, par rapport au mode Enyrypsa ou au mode Xel qui ont tendance à jouer au raid PA dans la méta actuelle, qui sont des modes qui ont naturellement beaucoup de retrait PA en ayant des stats corrects. Hein, ça se chiffre à 130, 140. En tout cas, c'est facilement atteignable, même si on est plus sur une moyenne un petit peu plus basse, parce qu'il faut la place pour mettre certains familiers, les trophées, l'initiative, etc. Le mode terre retrait des Feka, il plafonne tout juste à 100 en fait. Parce qu'il y a beaucoup de prérequis, mine de rien, sur le FK, même si on peut se focaliser vraiment sur le retrait PA, puisque on néglige un peu plus le tacle. Vu que généralement, c'est de la Saintouze, c'est de la Poulpli Pandamonium, forcément, on a un peu moins de retrait. Donc avoir un peu d'esquive, ça carry. L'ébène qui est posée directement sur les cas, donc on définit le focus très clairement. Je sens, on a viré la Pritech, donc c'est pas mal. J'ai un petit souci sur les D'accord. invocations qui sont vraiment invisibles là sur le stream. Normalement, elles ne devraient pas être invisibles. Moi, je les vois pour le Non. coup. Je vois, c'est bien. Ah oui, d'accord, ok, si, je vois ce que. Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu dis. Non, je pense que c'est Il y a un justement la petit souci de transparence qui fait que. transparence. Un petit souci de transparence. Côté Ekaflip, on va directement rusher. Ouh, l'Odora qui est posé sur l'Ozymandias, le Dragonnet Rouge qui, du coup, n'a plus du tout de PA. Ce qui est assez intéressant pour le coup, parce qu'un dragonnet qui n'a pas de PA, c'est un dragonnet qui ne peut pas debuff. Et on va directement éroder ce Feka qui était déjà sous rempart. Et on va tranquillement se carapater avec le coup du sort. Et bien sûr, éviter de se retrouver dans les dopus du Yop. Ce qui peut encore se faire avec un souffle, même si on joue probablement violence. Le sort est juste meilleur en dopus, quoi. Simplement. Ok, le bon, Alors, le verdict. j'avance. La vindicte. La La vindicte. vindicte, le vindicte, je sais jamais. Non, on dit une vindicte, t'as raison. Donc je Alors, une commence à le anti dire qui est correctement. placée. Deuxième anti. Voilà, Ouais, double simplement. anti directement, l'héros qui est posé, c'est Dax qui descend à 4300 HP, 3600, et le sacrilleur qui se sert tout simplement du Yop pour s'avancer. On avait défini le focus du Feka juste avant avec l'érosion qui a été posée. Est-ce qu'on va aller le chercher directement dans la mêlée? Évidemment, oui. Condensation qui va être Rien de probablement être mine. lancée. Ça va ramener en même temps le petit dragonnet rouge. C'est pas mal. Coquine le dragonnet, c'est pas plus mal. Ok, ça Oui, ramène bah, totalement. La petite Vulgar. aversion. Là, on va pouvoir directement déchaînement, la petite stase. Voilà, on profite de l'érosion. Et on pose l'ébène. Vulgar qui descend à 3900 HP. Plus de Pritech. Un ébène sur la tête. Et en Vitamax. Ce qui est pas ultra pratique, hein. Alors, est-ce qu'il y a encore des gens qui ont 7 Dofus là? Non, c'est bon. Non, ça n'a pas l'air de bugger. Alors, le Feka qui se glyphe d'excu. Un 8 distance. Après, il n'avait pas de Dero aussi. Si, il y avait de l'Héro. Non? Si, si, pardon, il y avait le Feka qui lui a mis. Si, 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 c'est Qui lui a good. mis. L'aveuglement qui passe et qui passe bien. Hein. On a directement viré 2 PA à l'Enyrypsa et à l'Ekaflip. On a posé un ébène sur l'Eka. Donc pareil, on gratte des dégâts début de tour. Hein. Il a 2 ébènes, l'Ekaflip actuellement. Que le Zamodas lui en avait posé un. Alors, par contre, les affichages de buff qui sont à rallonge. Et, du coup, l'Ekaflip, il a ses 3 passifs qui sont présents. Enfin, il a la pièce d'Ekaflip, il a la tromperie et en plus de ça, il a la maîtrise des envois. Forcément, ça n'aide pas des masses. Le fracassant qui passe moins 3 sur le Yop.
C'est un Yop Dopu, hein, n'oublie pas, l'impact est moindre, mais ça fait toujours chier parce que bah, Ouais, Yop surtout Dopu a s'il tendance à. est obligé de banc, ouais, c'est ça, s'il est obligé de banc et qu'il a moins 3 PA, il ne pourra plus faire double intime. Ouais. Alors, la petite piqûre, bah forcément, les Kaflip est devant, donc ce serait con de pas en profiter. Et devant, Et et là, tu regagnes un héros. bonus. Oui. Ouh, le double Dragon Knight qui va Toujours venir et tabasser. sous Vindicte. Attends, il a quoi comme héros, les Kaflip? Il a juste Vindicte, on est d'accord. Hein. En ce moment, il n'y a Bah, que la vous Vindicte. voyez la liste des buffs qui sont. Ouais, De il toute y a façon, il n'y juste a pas Vindicte. beaucoup d'autres sources d'héros, hein, par le Yop. Oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah. Les dégâts sont posés. Le petit Ivoire qui proc. Et on va voir le mélanique sous-piqûre. Merci pour le follow. Calo, c'est 150. Il fait des bons dégâts, ce mélanique. Ça passe sur l'érosion. On passe à 3800 PV max sur les cas. 3800 PV max, le retour d'Odora, 2500 HP par contre, faire attention, mais on a 16 PA, ce qui fait que le perso qui va prendre les dégâts risque de prendre très cher. Que Allez ça, hop, on oui, c'est ce que je veux ramène dire. Est-ce que directement le ça, P.K. c'est plutôt pas Allez mal hop, ça? zone langue râpeuse, on va clean le dragon albino je pense, deuxième langue râpeuse. Ce qui est un peu relou, c'est qu'en fait là on est dans la situation où on est au cag, donc on perd beaucoup de dégâts. Ça aurait pas été intéressant de coussiner avant? Non ok, vous voulez roue de la fortune de sacrifier. J'ai Mais rien il y dit. avait l'invue distance. Mais il y avait l'invue Oui, distance non, mais il y aussi. avait l'invue distance, mais c'est pas pour ça, c'est fin de tour, je parle. Oui. Et essayer de se détacler du FK pour se rendre safe, parce que le problème, c'est que c'est lui le focus de l'équipe adverse. Donc l'idée, ça aurait été de double langue râpeuse into Kusine pour être tranquille. Ceci dit, non, on préfère booster ce Sacrieur, on va profiter. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Hein. C'est que, ok, ils sont invue distance, mais niveau relance, ils ont rien, en fait. Enfin, le FK va perdre son rempart à son tour, donc il a tout juste le rempart, c'est tout. Pendant ce temps-là, le Sacrier, bah lui, il va juste trancher dans le lard, hein, tout simplement. Ouais. Surtout que Lenny aura du mal à faire son retrait là. Il pourra mettre un fracassant sur le Yop, mais ça à peu près tout. Ok, le sacrifice directement sur les cas, c'est pas mal, ça va limiter un peu l'érosion. Ça Sachant va qu'on avait limiter des un petit buffs peu déjà, l'érosion. on a déjà dégagé le Dragonnet Rouge pour des buffs. Donc ça rend le sacrifice beaucoup plus safe. Même s'il y a des chances que Perplexe repose directement. On repose directement. Condensation, la projection, la stase. Dégâts qui descend à 2800 HP. 2800 HP, Il est bon, les gars. 2154 HP max. Hein. Il a 10 points de vie de CHP max. Ok, bon, ça tape sur le sacrifice, mais ça fait quand même quelques dégâts. Le retrait qui passe pas si bien que ça, moins un seulement. On a de l'esquive quand même sur ce lex, j'ai pas fait gaffe. 98, c'est acceptable. Ok, il va quand même s'enfuir. Hein. Il va quand même s'enfuir, ce FK, autant qu'il peut. Et l'égide. Et la Dracie, ok. Bon, alors Lenny qui est un peu embêté là. Il a 15 PM, malheureusement, il n'a pas de PM, donc il peut mettre un fracassin sur le Yop. Il pourra pas vraiment silence. Le fracassant sur le Yop. Il peut silence sur le Yop s'il veut, mais. Ok, attends. Ok, il met quand même son silence grâce au bon ralliement. C'est vrai que de toute façon, il n'avait pas grand-chose d'autre à faire de son tour. Hein. Ok, ça fait quand même un bon tour de retrait hein, au niveau du Yop. On est à 4 PA. Ça picote un peu. Il va replacer son Dragonnet Rouge, je pense, histoire de debuff le sacrifice. Ouais, il y a de bonnes chances, effectivement. Là, ce serait le meilleur move. Petit détacle hein, pour faire en sorte que Normalement. Dragon et Mélanie puisse taper. Et le relais qui va replacer. Y a quoi comme. Alors, attends, je vais. Là, le double debuff. Il Et perd le en même Dragonnet temps un peu de Mélanie qui va venir PV, c'est pouvoir. vrai. Taper, 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 taper. Bah, Dragon et Mélanie qui va taper sur Sacrifice, hein, donc dans tous les cas, autant taper le Sacrier qui est effectivement à moins de raise. Bah, ce qui grignote un petit peu, mine de rien, le Sacrier, il est pas non plus ultra bien en HP. Après, il a des HP max, il a pas son pacte de sang, etc. Mais la souffrance fait que, la mutilation fait que vous, bah, quand même, vous prenez des dégâts à chaque fois. Les cas qui, du coup, continuent de se faire grignoter ses petits HP avec les ébènes, 3600 HP max. Par contre, puisque bah, le Yop peut juste rien faire depuis quelques tours.
Malheureusement, on est T3. L'Ignaripsa, il a claqué son fracas silence. L'odorat en plus. Ouais, bah laisse tomber. Le Yop, là, il a actuellement 1 PA. Il peut même pas. Il peut même pas. Précipitation. Non, là, il est juste triste. Il est juste triste, là. On se rend compte qu'il a 9 fois plus de PM que de PA, quand même. C'est vrai. Il est assez violent. Qu'est-ce qu'il peut faire? En vrai, c'est quoi le tour opti quand t'as un PA? Ok, c'est du placement. Bon, il fait figuration. Il fait figuration. Je suis triste pour Ok. Gensaku, mais bon, c'est la vie. Ok, le Alors là, sacrifice va profiter des zones. on va directement aller chercher la zone effectivement et j'ai plus FK. Est-ce qu'on va déchaînement pour ça? Ouais, ok, d'accord. Ça va clean avec le Oui, que déchaînement. voilà. Efficace. C'était léger. C'était léger. Oh, les dégâts par contre. Merci. Legit qui a pris 1100 sur le déchaînement crit. 3 PA restants et hop, la petite stase tranquillement. 1900 HP sur ce FK. C'est ma foi plutôt efficace. 2600 HP max. Ce qui fait toujours le taf. Alors, on rappelle juste qu'il n'y a plus d'érosion sur ce FK. Que bah, les gars Flip a décidé de plutôt clean le jeu de Lozamodas. Et bloquer les actions du Yop sur ce tour plutôt que qu'aller reposer l'érosion, ce qui était intelligent puisque le Yop aurait probablement pu vertu. Tu feras gaffe, le chat va commencer à cacher un peu le jeu. Oui, effectivement, t'as raison. T'as raison, t'as raison. Je vous le swap. Donc là, ça va continuer à taper ce Sacrilleur. Ça va pouvoir poser. Non, on va pas pouvoir. Si, on va pouvoir poser l'ébène en tapant à distance. La petite bulle. Et l'aveuglement. On peut encore aveuglement sur ce sacrilleur. Ah oui, sur le sacré. Ah non, C'est le non son. sur. Bah oui, non, ça aurait été étrange, effectivement. C'est le Lekaflip qui a pris ça. Lekaflip qui a pris moins un PA seulement, mais par contre qui a pris directement l'ébène. Ils veulent pas lâcher Lekaflip hein, en tous les cas. Bon, après, ils ont Un raison. fracas. Ok, le debuff, c'est parti. Oh, Le le débat qui défendu. part. Le fracas à moins 3. C'est vrai que le silence est de moins en moins joué dans cette méta. C'est chiant parce que bah, sur l'Aniripta, ça retire le Si, il aime le silence. galva. Si, il De aime le quoi? silence. Pas le Lui met un silence, silence. Jouvence, excuse-moi, c'est Jouvence, Jouvence. Oui. Parce que bah, du coup, ça débuffe le Galva, forcément, ça débuffe l'Abnégation, ça débuffe le Prev, le Vivifiant, même les buffs alliés, hein, c'est chiant de débuffer la Vertu, notamment, c'est chiant de débuffer les Roues de la Fortune, les PB en tout genre et tout, donc forcément, Hop, on va le faire un petit mode étranger, deuxième quoi. ébène. Voilà le deuxième ébène sur les cas. Il va devoir Les cas qui commencer à faire continuent de se gaffe. faire grignoter, effectivement. Il se prend Alors, on la est. méta de 2020. Il se prend la méta de 2020 dans la tête, les doubles ébènes. Voilà, le 398 en début de tour qui fait pas du bien. Alors on est en retour de drame, on est très loin du FK quand même. Pour aller replacer de l'érosion, là ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué, mais pas si compliqué que ça en soi, puisque bah, on n'oublie pas que c'est un Eka qui va pouvoir Griffe de Sheengal sur le Lozamodas, directement Griffe de Sheengal sur le Sur le Yop, Yop. et ça y est, il y est. Ouais, mais du coup, ça lui a coûté son contre-coup. Enfin, son. Ouais, mais il lui reste encore 8 PA pour double Miaouche. Pas son contre-coup, son odorat, pas. Bah oui, il pouvait juste double Miaouche. Alors, l'écu Voilà. beauté. Par contre, là, on a un Eka qui est contre le mur. On a un Yop qui a 14 Ouais, PHP mais on aussi. a un FK à 170 HP, et le truc c'est que la question se pose, Ça, il peut est-ce qu'on rien fait un faire. full tour sur les cas? Où est-ce qu'on Qu'est-ce essaye qu'il le veut qu'il fasse? Vertu duel? Vita, ok. Ok, Vindicte, on repose. Ouais, non, ça va Vertu, hein, très clairement. On pourra pas duel alors. Les vertus, ça saute jamais son. Bah, avec le Les duel en plus, histoires. c'était safe en fait. Enfin, c'était safe au moins jusqu'à ce que le FK joue. Là, le truc, c'était au moins de réussir à passer le tour du Sacri. Maintenant, le Sacri, il a 11 PA. Est-ce qu'il fait le kill du FK? Le FK est sous bouclier FK, hein, faut pas l'oublier non plus. Ah, ok, peut-être. Alors peut-être Ah ça non passe, non mais non pour j'ai moi, rien dit là, non on non est. non non j'ai rien dit il s'est fait débuff par l'Inirisa. Non 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 le Oui, c'est FK là il ça. est à poil il a que Vertu. Pour moi, là, le Yop, juste passe tout, hein. Il a déjà en prise, il a pas duel. Oui, c'est vrai, ça, on l'a déjà vu sur Lenny. Oui en prise Okay. oui en prise. Mais dans tous les cas en prise aurait été intéressant. Même Il est pas la relance du coup. déchaînement, la pose de l'ébène. 147 et 26. Ah, ok, le FK qui meurt pas. Mais oui, non, Le en plus FK de qui ça, meurt oui, pas. t'as raison, il a en prise T3, pas T2. Dans tous les cas, il n'avait pas la relance, effectivement. Surtout la relance, en fait, que j'ai dit. Bref, dans tous les cas, oui, effectivement, il arrive à tanker, ça passe. Ok, la Vita du coup qui a bien sauvé Et il aura pas. qui a bien sauvé le FK. Ouais. J'ai rien dit. Il est à 63 PV en dessous de sa Vita, donc effectivement. J'ai rien dit, Après, qu'est-ce que le FK va très pouvoir bien faire? Il a calculé de la 7 part du Yop. PA.
7 PA, il peut aveuglement les cas, hein. Les cas à 15 PA, donc je pense que ça devrait pas être. Ouais, moins 1, Ok, j'ai c'est rien pas dit. fou. C'est pas fou du tout. Et derrière une bulle, ça enlève de la PO, mais c'est pas incroyable. Et ça remet les boosts sur les cas. Bah oui, les cas, il va aller chercher le fécal. Hein. Tous les jours. Le fracas. Ouais, mais les Nerubsas, son gameplay qui est tellement triste, mais tellement efficace. C'est à la fois tellement triste et tellement efficace, le gameplay de Lenny. J'ai utilisé 4 sorts depuis le début de la, depuis le début de la partie, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Il booste. Il met des fracassants, à des fois un petit silence, et voilà. Ah, c'est tellement triste hein, de voir ce gameplay de Lenny. Mais ça fonctionne. Alors, du côté de Loza, on est un peu embêté. Ok, on a un dragonnet rouge, on peut soigner un peu le fécal. Elle est loin. Hein. Ok, il va peut-être replacer un autre dragonnet pour taper. Ok, profiter de l'érosion. Hein. Les Caflites étaient sous érosion. Il y a eu la vindicte. Non, ok, l'Albinos qui va les soigner. Okay, on se ramène les deux. Ok, non, il veut juste aller soigner un petit peu. Dragonnet rouge qui va pouvoir double soin curatif, le PK qui remonte tranquillement, 1500 HP, ça va, il s'en sort plutôt bien. Après, faut pas oublier qu'il a toujours une Vita sur la tête. Hein. Les Niripsa, s'il continue de spam les debuffs, ça va toujours être un peu complexe pour Vulgar. Pendant ce temps-là, les cas, bah, qui lui, bah, on se fait grignoter ses restes de PB, mais qui s'en sort toujours bien. Le petit proc d'Origami début de tour, c'est le dernier par contre, faire attention. Allez hop, entre chats, on a 11 PA, on va pouvoir bah, juste double miaouche sur le PK. Éventuellement, on peut coussiner avant ou flamiche peut-être pour essayer de virer l'ataraxie. Ok. Pas mal. C'est pas mal, ça le fait reculer. Ouais, mais les cas, il lui reste 950 PV, toujours non. les Ça DPM. prend pas le Non, il a. kill. On a un sacri. Est-ce qu'on peut tuer le sacri? Non, il est indéplaçable. Il est indéplaçable, on pourra pas tuer le sacri de Sacri toute façon. indéplaçable, donc non. Avec un Yop Dopu, ça marchera pas bien. Ouais. Je vois pas bien ce qu'il peut faire pour sauver son Fekka. Mais ça fait 2 tours, je dis ça, et qu'il survit, donc. C'est chiant quand il lance Pilori, on sait pas à quel moment il l'a lancé, s'il était en souffrance avant ou pas. Bon après je pense qu'il était déjà en souffrance 7. Hein. J'ai pas fait attention à ce moment. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Cette fois-ci, il y va. Il arrête de vouloir sauver Ok, son 8 Fekka. PA, la libé, double anti, 1600 HP sur ce TK Flip. Eh, ça picote quand même, mais. Après c'est pas mal parce que le TK Flip vient de claquer son Thor, il va être en retour Thor derrière. Mais le problème c'est que là, bah, le Sacrifier va probablement tuer le Fekka, hein, il a 13 PA. Ça me Bah, paraît. de toute façon, le Yop pouvait pas le sauver ce tour-ci. Si, si, mais il y a encore un ébène, il y a encore un ébène de toute façon. Encore un ébène sur le Fekka, donc c'est bon. Il y a un ébène haut, donc le Fekka, il est mort. Est-ce qu'ils peuvent arriver à prendre un kill sur les Caflip quand même? Ça m'a l'air compliqué. Même avec un tour piqûre, il pourrait faire très très mal. Ça m'a l'air compliqué là. En plus, il y a le Ouh, silence le qui silence qui est tombe. claqué, Ouais, ouais, là ça va être 3-3. complexe, ouais, le mot de solidarité, ouais, mais Il là pour le va coup, Lenny il a juste à spammer les solidas, il se met bien, il se met très très bien même. Allez, en plus, il soigne son sacré parce qu'il a que ça à faire. Alors, est-ce Eh, que. toujours efficace, hein. Ouais, je sais pas trop. Même un gros tour de piqûre, là, ça permettrait pas de tomber des caflips pour le mettre vraiment en danger. Au pire, il se chance. Ça lui fera pas... Je pense pas que ça lui fasse. Je pense pas que ça le mettrait dans le mal. Ceci dit, ouais, on peut pas poser l'ébène ni rien, c'est ça qui est chiant. Pas poser l'ébène, on a qu'un seul dragonnet, il y a un Voir. ivoire à tomber. Ça va faire des dégâts, hein, je dis pas le contraire, juste que ça va pas être suffisant pour la suite. 1300, 1300, l'Eka est bloqué. Bon, après, il peut toujours griffe de Sengal. Bon, bah, il Même peut s'il approcher se avec juste. chance, Même pas. le Yop Dopu n'en a rien à faire de la chance. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le problème, c'est que Après. le Yop est en retour de précis et il s'est pris un silence. Donc
Ouais, là, il Là, a il a 8 moins PA 8 de PA encore. Hein. différentiel, donc en Il a réalité, il en 4 a PA en 4. tout. Donc, double anti. Remarque, double anti sur 1005 PV, ça suffit. Faut soigner quand même du côté de l'étoile. Alors, griffe de Schengal, ça va entre chat directement. Ouais, il a intérêt à se casser. Il a intérêt à se casser. Parce que le Yop, avec ses 4 PA, il pourra pas bond dans tous les cas. Il a une petite bonne étoile. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est safe. Non, et plus le château guérisseur, plus on met la roue de la fortune sur le sacré qui lui va pouvoir aller au charbon. Ok, voilà, le Yop qui a 4 PA comme prévu. Il n'y a pas vraiment de quoi faire des deux poules. Hein. Lenny qui n'est pas vers un mur, le Lekka qui n'est pas vers un mur, il peut pas bon. Il peut se mettre une Vita ou mettre sur son Oza. Il peut se mettre sur lui. Je sais pas si ça serait. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a Lenny défendu, donc c'est peut-être risqué de mettre des Vita comme ça. Alors qu'il n'y en a pas forcément besoin. Ok, il replace juste l'héros sur le sur les cas. 1400 PV. Du côté du sacré, est-ce qu'on va pas s'échanger de place avec les cas? Est-ce qu'on va aller chercher Bah on le peut, Yop? ça permettrait de rendre safe les Kaflip, d'aller chercher l'Iop. Après, est-ce que t'as vraiment... Ouais, si t'as envie d'aller chercher l'Iop. Mais en vrai, il se fait tellement l'aigu par les silences, j'irais bien chercher l'Ozamodas, moi en fait. Donc là, tu clean un petit peu le jeu, tu reposes les setups, t'as le... la relance sacrifice qui va revenir aussi, hein, même si pour le coup, il y a le Dragonnet Et Rouge il qui est va déjà placer un posé, donc ça va ébène. être relou. Allez Il va hop, la placer un petite ébène sur le stase, Yop. hop, deuxième stase, déchaînement. Non, projection, ok. Et... Ah, le pacte, ok, l'arrivée du pacte. Ouais, ça va le rendre Ah, du il coup avait que très bien safe dans 2500 la partie. PV et il était pas serein. Ouais, non, non, mais Par totalement, moi, rapport à ça. c'est totalement legit. Et là, Lenny qui va pouvoir, bah, du coup, soigner son Nekaflip tranquillement. Alors la Flamiche. Salut, Ah, c'était ennemi! juste pour le passer en dessous de la piqûre. C'est juste pour le passer en dessous de la piqûre. Elle était à combien la Ouais, piqûre? ouais, 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 ouais. 321. Ouais, c'est bon. C'est bon, Allez, 907 HP, on est bien, on est c'est bon. Salut remonté Adnigame. à... On est remonté full. De quoi? Non, je dis bonsoir à Adnigame. Ah, ok. Et bonsoir dans le chat. Allez hop, les petits spam fracas, que moins 1 sur le Zomodas, l'esquive qui paye. Sur l'Oza, ouais. 85 d'esquive, ouais, contre 39, ouais. C'est pas trop étonnant. Mais on Oui, est alors toujours l'Oza qui taclé se par cette épée, hein, le trouve. Zomodas qui se fait bisu par une épée d'encens, c'est méga relou, je pense. Elle a que 550 PV, mais le problème c'est quoi là? Il Ouais, joue mais le auto-sort problème pour c'est la que tuer. à chaque fois il a toujours plein de trucs à faire, le Zomodas. Et là on est arrivé à un tour où le sacré pourra en reposer une autre. IPA. On va devoir ramener son Dragonnet Rouge dans la mêlée en plus pour pouvoir soigner l'Iop. Et pas arrangeant du coup, parce que ça va faire qu'il va se faire kill. Et la petite transfo. Et le petit Ça Dragonnet place Albino, c'est un une très bonne ennemi. utilisation de la bénédiction animale d'ailleurs. J'aime beaucoup. Il reste 2 PA. On va juste aller gêner un peu les capis. Ok, on le tape un coup. Peut-être. Je sais pas s'il avait déjà. Non, il a pas dû être tapé. Donc c'était pour limiter les procs. Il a quoi les caflips? Ouais, le proc ocre. Il aurait pu faire un petit peu mal. Oh bon, il a quand même 15 PA. Ah non, de toute façon, vu qu'il a fini à côté, il y avait le proc abyssal, donc ça change rien en fait. C'est juste histoire de lui faire 2-3 dégâts. Ok, l'odorat, ça va limiter les actions du Yop. Alors le Yop, je le vois à 3 PA, mais normalement il a moins 3 de la précis. Donc il va en avoir 6. 7 si jamais il y a un abyssal. Est-ce qu'il a un abyssal? Consultons Il l'overlay. a un abyssal, le Yop. Oui, il a Voilà. un abyssal. Ouais, mais je lui fais pas confiance parce que tout à l'heure il avait 7 Dofus le Xel, donc. T'inquiète. Alors, Alors, 6 PA sur ce Yop, attends, attends, attends. effectivement. Attends, attends. Ah non, 6 PA. Ah, ici, là, précis, en vrai. Il peut S'il aller chercher précise les double Kaflip dans tous les cas, mais anti-dB, je pense double pas que ça anti-dB, fasse est-ce que ulti. ça suffit pas? Sûr. Sur le Leka? Ouais. Je pense pas. Hein. Double anti coup pour coup libé, ça me paraît complexe. 500, 500. Coup pour coup, 300. Libé, 278 Ça après. passe Et il a pas d'ébène, 270. donc non, non, ça passera pas. Et c'est le Sacrieur Eleni qui joue derrière. Alors le Sacrieur peut Ouais. sacrifice pour tanker le tour de l'Ozamodas, puisque dans tous les cas, l'Oza peut pas double debuff. Donc Non, quoi mais qu'il Lenny, il arrive, peut il le pourra pas faire le reconstruire. kill. Et Lenny pourra tout simplement le soigner, donc la question se pose pas. Mais c'est con, ça passe à pas grand chose. Hein. Mais non, après, 278, je suis pas sûr. effectivement.
Je suis pas sûr que même si tu as les cartes, ça changeait le match, hein, parce que le Yop est quand même déjà très très mal. Non, mais ça gratte des points. C'est plutôt, tu sais, pour l'action, pas spécialement pour le retournement de match. Le Yop était trop low life dans tous les cas, donc quoi qu'il arrive, Il c'était est pas mort, limité. ça va être le kill de l'ennemi. Est-ce que c'est un frac à kill? Même pas. Non, C'est un interdit. le mot interdit. Mais Et c'est le double interdit. kill de l'ennemi quand même. Double kill de l'ennemi, très très bien joué. Hop, je vous affiche les stats.